Samedi 6 avril, donc 2019, avait lieu ici à la maison des arts martiaux de Terrasson, un stage de Tai Chi Chuan. Alors, stage de Tai Chi Chuan, est-ce qu'il s'est bien passé, Pierre Chouzenou? Vous êtes le professeur du club Akama, donc du Lardin Saint-Lazare. Oui, alors ce jour-là, nous avons eu la chance de pouvoir faire venir un copain et un professeur qui venait d'Alsace, qui est sixième dan de karaté et de tai chi. Et nous avons travaillé quelque chose de tout à fait spécifique, puisque dans le tai chi, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le fond tout d'abord, et la forme, c'est ce que les gens voient, mais c'est la forme qui permet de travailler le fond. Et c'était là-dessus que le but, c'était de faire travailler le fond. Nous avions pour cette journée une grande partie des élèves qui viennent dans notre section, mais il y avait aussi des gens qui venaient de Brive, de Montignac et d'un petit peu plus loin, qui étaient venus parce qu'ils l'avaient entendu sur la publicité, et puis ils voulaient acquérir quelque chose de supplémentaire qui ne se développe pas beaucoup dans le secteur. Alors nous, on s'entraîne le lundi soir à Terrasson, le mercredi au dojo et au Lardin, et le jeudi au dojo à Terrasson. Vous êtes sur les deux villes, quoi. Voilà, on est sur les deux villes. On ne peut pas se développer beaucoup plus parce que ça occupe pas mal de temps, et là c'est déjà bien. Et nous sommes environ une quarantaine d'élèves. Alors chaque fois que l'on fait un cours, comme il dure une heure et quart, il est difficile de rentrer dans le détail. Et quand on y revient quelques jours après, les gens, et comme tout le monde, les élèves, et moi je fais partie aussi des élèves, on n'a pas le temps d'intégrer tout ça. Mais quand on fait 4-5 heures dans une journée, on a le temps d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un ressenti beaucoup plus précis. Tous les mouvements que l'on pratique sont des mouvements de combat. Alors après, il suffit de visualiser ou de comprendre face à un coup de pied, qu'est-ce qu'on fait, face à un coup au visage, qu'est-ce que l'on peut faire. Tous les mouvements ont un sens, mais là, c'est de travailler par rapport au relâchement. Si on veut faire un geste fort, on se retrouve à une confrontation de deux coqs, je veux dire, ou deux taureaux, force contre force, et le plus fort gagne. Alors que là, c'est du relâchement, et c'est difficile à comprendre, mais malgré tout, le relâchement permet d'être beaucoup plus puissant que celui qui est fort. Alors un mouvement est réussi, bon, déjà quand on esquive le coup. Quand on ne le reçoit pas, c'est déjà un mouvement réussi. Après, c'est l'application que l'on va faire derrière. Il faut savoir que le tai chi, c'est la base de tous les sports de combat, avec le kung fu, sont des bases. C'était l'utilisation. L'homme a vu comment travailler l'animal sauvage pour se défendre et se nourrir. Et il a essayé de mettre en pratique, d'essayer d'adapter à son corps toutes ces formules qui vont permettre ensuite d'être réactif face à. Mais nous, en fonction du public que l'on a, et comme j'ai des gens qui sont relativement âgés, même s'il y a des gens un peu plus jeunes, on est plutôt tourné vers l'état de bien-être, une sensation de confort, de relâchement et pour conserver une bonne santé. Alors la spiritualité, c'est peut-être un grand mot, il faut savoir que tout se passe au niveau de la colonne vertébrale. Au lieu de faire un geste qui est un geste, ce qu'on appelle avec la force grossière, on le travaille par rapport à un mouvement et chaque vertèbre bouge, et c'est chaque vertèbre qui va faire, grâce au relâchement de l'épaule en même temps que la hanche, le genou en même temps que le coude, la cheville en même temps que le poignet, et tout ça lié avec les vertèbres, donc les lombaires, les cervicales et les dorsales. Et à ce moment-là, on va pouvoir relâcher l'ensemble du corps et être efficace dans le geste. Quand on débute, les mouvements sont tous difficiles, donc on ne les aime pas. Et petit à petit, on se les approprie, on est guidé pour se les approprier, et petit à petit, ils deviennent de plus en plus plaisants à exécuter. Il n'y a pas de limite dans l'évolution. J'ai côtoyé des experts chinois qui ont 90 ans et qui disent « je sais comment je me relâche aujourd'hui, mais pas encore demain ». Donc ça nous guide et ça nous laisse du temps pour l'avenir. La perfection, elle n'est pas de ce monde, mais on essaye de tendre vers. Voilà, on essaye de tendre vers. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.